L'homme à l'écharpe rouge, vous vous rappelez? C'est celle de Christophe Barbier. La légende dit que l'écharpe aurait été offerte par Carla Bruni Sarkozy à l'occasion de son mariage, marquant un peu l'union de la gauche bien pensante avec la droite d'argent. La com, l'argent, le pouvoir, le libéralisme en matière économique et en matière de mœurs, le soutien des puissants, Christophe Barbier est un pur spécimen libéral-libertaire, visage de la mondialisation, adoubé par le système et qui ne le critique que pour l'enjoindre à étendre sa domination sous les auspices du droit, gauche libertaire, et du marché, droite libérale. Né en 1967 à Salanches, il est l'époux de Yamini Kouar Cohen, communicante chez Euro RSCG, puis chez Hermès. Hippocagne, école normale supérieure de la rue d'Ulm, il débute au Point en 1990 et passe brièvement sur Europe 1. Mais il sera avant tout l'homme de l'Express, chef du service politique en 1996, directeur adjoint de la rédaction, puis directeur en 2006, grand habitué des plateaux télévisés sur LCI, Canal+, France 5. Le 14 février 2008, il obtient la première interview de Carla Bruni Sarkozy. Succès éditorial et plus de 200 000 exemplaires vendus. La suite sera moins glorieuse. Sous sa direction, entre 2006 et 2014, l'Express connaît un déficit de 86 millions d'euros avec un plan social en 2015. En octobre 2016, alors que la diffusion s'est effondrée, il est débarqué de la direction, mais reste éditorialiste avant de quitter le journal fin 2020. Entre-temps, il avait rejoint BFM TV, tout en étant présent sur Actualité Juive et Radio J. À l'automne 2021, le tchèque Daniel Křetínský le nomme rédacteur en chef de Franc-Tireur, un titre lancé pour défendre la politique d'Emmanuel Macron dans la perspective de l'élection présidentielle. Mais Christophe Barbier ne serait rien sans ses citations fameuses. Je cite, « L'immigration est une bonne chose pour la France, une très bonne chose pour la vitalité française. » L'Express, 13 novembre 2012. Je continue. « Il existe une série d'épisodes historiques qui ont permis de trancher, si j'ose dire, entre le bien et le mal, entre ce qui est de gauche et ce qui ne l'est pas. La gauche, c'est donc d'abord cela. C'est dans la règle du jeu, le 21 février 2013. » Mais il y a mieux. Internet n'est pas un no man's land. On peut aussi combattre sur Internet juridiquement ceux qui violent la loi, et notamment la loi Guesso. On peut y aller. Il suffit que les autorités s'en donnent les moyens. Mais ça se régule, Internet, entre nous. Les Chinois y arrivent bien. C'est grandiose. Et c'était sur les grandes gueules de RMC le 3 janvier 2014. Au fond, Christophe Barbier reste cohérent. Être à la fois pour l'immigration de masse, pour la GPA, pour les gimmicks intellectuels de gauche et pour ses propres intérêts dans un marché mondialisé est l'attitude la plus logique qui soit. Si l'on veut se trouver non pas comme le soutien Barbier au-dessus de la mêlée, mais du bon côté, celui du manche.